meilleur ami. Je vous avoue que ça m'a un peu surpris, cet extrait-là, parce que je pensais, moi, que c'était les dangereux, la plus grosse tâche sur votre non. Série. Non! Donc, avant de terminer, je réponds à quelques questions en rafale. La première. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Oui, il est 18h32. La suivante, pardon. Où sont allés les dinosaures? C'est vrai, c'est non pour la plupart. Prochaine question. Comment je pourrais te dire? Comment je pourrais t'écrire? Je sais pas, mais ça va sûrement être en majuscule. Non, mais je l'ai vu courir sur Facebook, sur Twitter puis sur Instagram. Je pense que ça va être beau. Donc, ça fait pas mal de tours. J'espère que ça répond à toutes les questions. Et si tu trouves, cher artiste francophone, que j'ai répondu un peu n'importe comment, ben la prochaine fois, c'est pour vous poser une question plus comme on l'a vu. Bonne franco dans tes élections. On a eu une belle soirée hier à la soirée encore jeune. On avait la claire ensemble du rap francophone. On a beaucoup parlé du rap francophone. Donc, Sébastien a adoré Nouvelle-Ti d'ailleurs, à quel point il laisse. Ouais, il t'adorait ça. Oui, et j'adore le mot du triage. Mais, comment vous êtes passé? On parlait de création, j'en parlais aussi avec Alexandre Desilets. Et il y a un dossier dans la presse cette semaine qui posait la question: est-ce que le rap francophone va sauver la musique francophone? Un gars qui fait pas du rap, qui fait de la musique depuis quelques années au Québec, est-ce qu'il y a rare de répondre à cette question? Ben, je pense que l'intérêt, c'est surtout d'intéresser les jeunes. Moi, j'avais 21 ans, on parle de la musique qui intéresserait les gens de mon âge. Je pense que ça va débloquer sur d'autres. Ouais. Et probablement à 5 rap qui est là présentement. Donc, moi, je suis très positif par rapport à ça. Puis je trouve ça, moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça positif que les jeunes écoutent la musique québécoise. En français, ça fait vraiment. Et on a une super scène, c'est une scène aussi qui est vivante à cette époque. Et ça, c'est bon pour les vieux dinosaures, pour citer Chevrolet, mais c'est bon, ça. Est-ce que vous êtes déjà un vieux dinosaure? Ben non, je ne suis pas un dinosaure, mais disons, ça fait 15 ans cette année que je fais ça, et j'ai la chance de commencer jeune, un peu, aussi jeune que Stéphane, quand même. D'un cabaret, mais donc, je suis très positif. La chanson québécoise est plus vivante qu'elle était moi quand j'étais adolescent. Et